Si tu vas au Congo, on te parle de Lumumba. Si tu vas en Côte d'Ivoire, on te parle de Nana Boye. Si tu vas à Roningana, on te parle de Kwame Nkrumah. Pourquoi chez moi, il n'a mis face, on ne me parle pas de Sankara. Pourquoi chez moi, il n'a mis country, on veut étouffer sa mémoire. Pourtant, il fait partie du patrimoine de ce pays. Pourtant, il fait partie des pâtisseurs de Mama Africa. Ah 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 ah, yeah. Libre des. Ah, si tu vas in Ethiopia, on te parle de Selassie Aïdja. Si tu vas au Mali, on te parle de Modibo Keïta. Ah, si tu vas down in South Africa, on te parle de Biko Mandela. Pourquoi chez moi, il n'a mis country, on veut assassiner sa mémoire. Pourtant, il fait partie des dignes fils de Maman Africa. Pourtant, il fait partie des freedom fighters pour la cause de Maman Africa. Libre d'hier, nous ne pouvons pas être complices de ceux qui assassinent la mémoire. Nous ne pouvons pas être complices de fossoyeurs de Maman Africa. Pourtant, il fait partie du patrimoine de ce pays. Pourtant, il fait partie de Freedom Fighters pour la cause de Mama Africa. Libre des Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons Norbert Zongo. La patrie ou la mort, nous vaincrons Patrice Lumumba. La patrie ou la mort, nous vaincrons Nelson Mandela. La patrie ou la mort, nous vaincrons Amilcar Cabral. La patrie ou la mort, nous vaincrons Ruben Yobe. La patrie ou la mort, nous vaincrons Thomas.